Allez, salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45. Comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien et aujourd'hui on se retrouve enfin. Allez-vous me dire, je vous vois arriver à 10 km pour la suite de notre incroyable aventure sur Ratchet & Clank Rift Apart. Toujours évidemment sur PlayStation 5, étant donné que c'est une exclusivité, on va se retrouver une bonne demi-heure ensemble et j'ai beaucoup de choses à vous dire parce que vous allez croire que c'est un complot. Oui, j'étais absent quelques jours de YouTube, mais certains le savent évidemment déjà, tous ceux qui me suivent en tout cas sur Twitch tous les soirs à partir de 19h, je suis en train d'ouvrir une boutique. Voilà, là vous allez me dire, attends, qu'est-ce que c'est que ces conneries, là je comprends vraiment rien, qu'est-ce que tu fous, tu vas nous vendre des t-shirts, tes mères b-boy, on n'aura rien à péter, je peux vous comprendre, mais ça n'a rien à voir, je suis en train d'ouvrir une boutique physique, d'accord, donc une vraie boutique dans le 45 qui s'appelle Yamanote Shop, n'hésitez pas à follow sur Instagram Yamanote Shop ou sur Facebook Yamanote Shop 45 pour en savoir plus. C'est une boutique qui proposera du lifestyle, du JCC, du TCG, enfin bref, des jeux de cartes à collectionner, du jeu de rôle, etc. etc. Pokémon, Digimon, Magic, Yu-Gi-Oh! Et plein d'autres encore. Des snacks, donc de la food japonaise, du lifestyle, je l'ai déjà dit, des jeux vidéo, des mangas, bref, c'est une boutique que... Voilà, ça, c'est un projet incroyable. C'est un projet incroyable. N'hésitez pas à follow, vous avez déjà quelques petites photos à gauche à droite, vous allez voir, il y a beaucoup de choses déjà mises en avant. Et évidemment, si vous êtes dans le 45 ou à côté, Paris, le 77, Sens ou autre, n'hésitez pas à passer en boutique, elle ouvre fin du mois, donc évidemment, vous serez les premiers, les bienvenus. Et une petite chose aussi, si jamais il y a 65 mètres carrés dans un étage réservé exclusivement aux joueurs de jeux de cartes, de TCG. Donc, évidemment, vous êtes attendus. N'hésitez pas à suivre le projet. C'est un projet gigantesque, tout simplement. Mais on kiffe. Donc, désolé. Voilà pourquoi, ces 4 derniers jours, je cours tellement partout qu'on n'a pas pu se focus sur les vidéos YouTube. Mais vous inquiétez pas, je reviens en force. Et évidemment, tous les soirs, toujours sur Twitch, ça ne changera pas. Et tous les après-midi, évidemment, sur YouTube. En tout cas, on va reprendre un rythme normal et quotidien. Allez, on arrête de blablater, on a beaucoup parlé, il est temps d'améliorer 2-3 trucs. On avait le sniper, souvenez-vous, donc le chasseur de tête qui peut être amélioré. On avait aussi, et ça m'intéressait grandement, c'était le, je ne le trouve pas, le fléau cosmique. Je vais devoir encore améliorer tout cela, mais ça commence à avoir une belle gueule, si je puis me permettre. Il est temps d'aller au champ de débris et on continue pour la suite de notre aventure. C'est l'épisode 19. Voilà, on va pas vous faire miroiter plus longtemps. Let's go directement l'histoire principale. Et voici maintenant une allocution de l'empereur. Cher sujet, j'ai réussi. Après tout ce temps, les pirates sont vaincus. La résistance est brisée. Et la galaxie est enfin à moi! C'est tout? Où est la joie? L'euphorie? La satisfaction du mal? Mais pourquoi est-ce que rien n'a changé en moi? Parce que vous avez toujours associé votre bonheur à votre succès. Et maintenant que vous avez réussi, la vie n'a plus de sens. Ah ! Que pourriez-vous bien savoir du succès, Triste ? Mais bien sûr, je n'ai pas encore tout à fait gagné. Après tout, il reste une foule de dimensions qui n'attendent que d'être conquises. Bonne chance pour les trouver. Moi, il m'a fallu des années pour calculer les coordonnées de cette dimension. Parce que vous avez négligé la première règle du voyageur averti. Oh. Toujours prendre une carte. Une carte? La carte dimensionnelle? Celle des archives? Il se rend sur Savali. Tu as entendu ça, Rivette? Oui, on vous rejoint là-bas. C'est pas vrai. Sûrement l'œuvre de Nefarious.
Les archives renfermaient la carte dimensionnelle, n'est-ce pas? Ouais. Rivette, quitte. L'empereur Nefarius a détruit les archives. On va jeter un œil à l'intérieur pour voir s'il a récupéré la carte. Les archives ont été détruites? Mais où est Gary? Je ne sais pas. Force impériale en vue. Direction donc les archives. On va voir un petit peu ce qui se cache là-haut. On a quelque chose de très intéressant. Ah oui, d'accord, ça ne tire pas droit cette histoire. Qu'est-ce qu'on a là? Ok. Alors ça, c'est bizarre. Ça, c'est très bizarre. Et là, on peut rien faire là-dedans? Non. Et là? Bah mince. Mince. Si je fais ça, tirer dans les yeux, je ne sais pas, là on tente des trucs. Alors là, il y a quelque chose à activer, mais quoi? Il n'y a pas d'ennemis aux alentours, il n'y a pas grand chose. Ah, peut-être du dessus. Allez, on est parti dans direction Savali. On va rentrer là-dedans pour récupérer des choses très intéressantes et surtout une partie de costume et du raritarium. Ok, poche dimensionnelle facultative. Hop, ça c'est fait, je commence à devenir une machine. Hein. Oh non, c'est vrai que c'est pas du tout précis. Ok, pas de sous. Ah, stylé ça. Ça, on n'a pas eu de passe comme ça. Bon, ça manque un petit peu de difficulté, mais c'est faisable. Ok, ah ouais. Ah ouais, dommage que ça explose pas direct, sinon j'avais foiré, dommage. Dommage que ça explose pas directement, mais en fait c'était très stylé. Encore une fois, une phase très très bien pensée, je trouve. C'est parti, le costume, et c'est fait. Allez! Et 2 sur 3, il n'en manque plus qu'un et on n'en parle plus. Par contre, où on va pouvoir se casser ici? Hein? On a quelque chose ici. Alors, les gars, oh? Faut que je fasse demi-tour ou pas du tout, Kenny? Qu'est-ce que c'est que cette embrouille? Attendez. Ah! Ok, j'ai pas du tout tilté. Allez, pas de soucis, on est sorti, let's go! Alors, on avait quelque chose ici. Donc je pense que, à mon humble avis... Ah, allez. Peut-être le démon de minuit. Dommage. Ok, on peut pas. J'ai essayé quelque chose, j'avoue. J'ai voulu un peu use bug. Malheureusement, ce n'est pas passé. Qu'est-ce qu'on a là? On va tout fouiller, hein. On ne sait jamais, c'est un malentendu. Ok, il n'y a pas grand chose en vrai. Donc on va s'occuper de cela. Dommage, il n'y a pas grand chose. Hop, ça c'est terminé. Hein. Bien joué. Il se sert beaucoup trop du dimensionnateur. Les frontières entre les univers sont en train de s'effondrer. Alors on doit affronter des squelettes. Des squelettes. De toute évidence. What the fuck? Wouh! C'est moi ou... C'est qui qui ont légèrement plus fort? Voire terriblement incroyable. Ok, ça va swinguer, d'accord. Bon, on n'est pas là pour empiler des cubes. Oh, ça c'est problématique. Ok. Niveau supérieur! Bien évidemment pour le fléau cosmique. Très beau ça. Très beau. On a des squelettes. Bonsoir, messieurs. Ok. C'est pas trop un problème jusqu'ici. C'est bon. Bonne chose de fait. Les amis, je crois qu'on a un petit souci de mort-vivant ici. Quoi? Fais vite, Ratchet. Nous devons accéder aux archives. Ne vous inquiétez pas, on s'en occupe. A plus. Ok, on a forcément quelque chose à faire, je pense pas loin. Oh, j'ai peut-être une idée. Vous savez, les squelettes, ils ont une matière bleue, là.
Ils ont une matière bleue. Est-ce que si on amène un squelette... Attends, viens frérot. J'ai envie d'essayer quelque chose. Oh non, il est teubé. On doit se servir de cette faille pour entrer frérot. Dans les archives. Frérot. Viens. Oh non. Non, il est trop con. Malheureusement, on n'est pas tombé sur le plus intelligent des squelettes. Conduira à l'intérieur. J'ai compris, Ratchet. Ok. Il y a du raritarium derrière. On va améliorer vite fait. Vous savez, deux draritarium, c'est deux draritarium. Oh là 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 là, c'est tellement stylé le jeu. Toujours aussi fou, hein. Ce jeu, tu sais, te donne envie d'aller puncher avec ta famille et tout un dimanche après-midi. Tu vois ou pas ce que je veux dire? Il est tout en bas, évidemment, le fléau cosmique. Hop, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Il en reste 2 qui nous permettra de réduire le délai de rotation du canon. Merci et donc, ça tirera beaucoup plus vite. J'ai hâte, clairement. On peut pas aller là-haut. Vraiment, là, ça me stresse. Quoi? Quoi? Ça fait deux fois, hein. Je suis vraiment teubé, hein. Ça me stresse un peu, cette histoire derrière, là. Parce que j'aimerais bien trouver une solution. Il y a quelque chose de toute évidence, de très intéressant. Attends. Voilà, je peux faire. Ok. Oh non! Les bêtes, la carte dimensionnelle n'est plus là. L'empereur a dû nous prendre de vitesse. On approche de son vaisseau, amiral. On la récupérera. Gary et les moines sont en sécurité. On va les trouver. Bonne chance là-haut. D'après les normes structurelles okay. des vaisseaux impériaux, les objets de valeur doivent être au niveau supérieur. Espérons que la carte s'y trouve. Oh là là, c'est classe. C'est classe de ouf. C'est classe de ouf. Très bien. Oh, sympa l'ascenseur. Je vous rouge. La sécurité laisse à désirer. Vaisseau amiral, je veux un rapport. Ça, on va les... on va tous les liquider. Ça, c'est pas problématique. Des problèmes. Quel problème? Quoi? Juste de quoi pimenter un peu les choses. Je peux rien faire là. On vient pour la visite du vaisseau amiral. Ah. T'as besoin de billets. Ok. C'est fait. Il faut absolument fouiller le reste des archives. Pensez aux trésors qu'elles contiennent. Des armes d'une puissance inimaginable, mais aussi des épisodes inédits de John et Pamela. Oh, des papiers sans intérêt. Quoi? Nous avons besoin que de la carte. Ok. Le reste n'a qu'à brûler. Minute. Ça veut dire qu'il a déjà récupéré la carte ou... Ratchet, tu vois quelque chose avec le casque de Quantum? Rien d'intéressant. Je pense que ça va s'annoncer épique, hein, ce qui va se passer. Hein. Ça va putain de s'annoncer épique, je vous le dis. Oh, va y avoir des dimensions à tire-larigot là-dedans, hein. Là, vous voyez ce côté ascenseur. Aïe, 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 ça promet. Ça promet, ça va être très, très, très stylé, je vous le dis. Oh le bâtard. Ok. Pas mal. Ok, bien joué, il a été chaud. Ça, il commence à me casser les couilles, lui. Pas vrai, il enchaîne trop. Ok, c'est pas mal, hein. Là, j'ai besoin de calme avant
la tempête. C'est pas vrai. Il enchaîne beaucoup de rangs, frère. Ok. Il est mort. C'est terminé, hein. C'est terminado pour le frérot. Pouah. Il y allait, hein, le frérot, hein. Il y allait, hein. Empereur Nefarius. Depuis le temps que j'attends ça. Non. C'est vous. J'espérais que vous me trouveriez. Désolé, réintégrer son corps en pleine séance de méditation. Ça picote. Mais que faites-vous ici? L'empereur m'a capturé après avoir découvert que j'avais caché la carte dimensionnelle dans une anomalie. Alors il ne l'a pas encore? Non, mais ce cinglé ouvre des failles un peu partout pour la retrouver. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'il y parvienne. Ratchet? J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Mauvaise nouvelle, l'empereur n'est pas ici. Bonne nouvelle, on est avec Gary. D'après lui, la carte est cachée dans une anomalie dimensionnelle. Dans les catacombes, vous pourrez y descendre en activant les tours d'excavation. Pour les activer, trouvez les verrous à pression à côté. Ok, bon. Mais comment ça se passait? Pas mal de choses, et c'est ici qu'on avait beaucoup de choses à trouver, me semble-t-il. Regardez ce qu'on a là-haut. Qu'est-ce que c'est? Oh putain, quand la balise d'une tour passe du rouge au vert, c'est qu'elle est activée. Alors attendez, quand la balise d'une tour... Mais ça peut être vraiment utile en train de se passer. Waouh! C'est faisable au moins ça, les potes? Parce que ça me dit rien, ça, hein. Ok, c'est totalement faisable. C'est totalement faisable. Est-ce que ça nous intéressait? Bah écoutez, on va voir la réponse tout de suite. Pas l'air de nous intéresser là ce qui se passe ici, hein, si. Je sais pas. On a déjà fait tout ça. On a totalement déjà fait tout cela. Attends. Laisse-moi rebondir sur ce champignon. Ok, on est juste retourné sur la même planète qu'on avait déjà fait. Ok, d'accord, donc ça c'est pas un problème. On a déjà fait... Il y a 2-3 trucs... Il nous restait, je crois, 3 reliques ou 4 reliques à récupérer. On a quelque chose là aussi. Cette faille nous conduira à l'intérieur. Allez. Ok, attendez, c'est peut-être dingue là ce qui se passe. Attendez, c'est peut-être dingue là ce qui se passe. Qu'est-ce que c'est que ça là? Putain, mais c'est pas possible. Là, le doute... Voilà, hein, vous connaissez la suite. Qu'est-ce que ça peut être? Le doute m'habite énormément là, hein, vraiment. Hein. Ok, qu'est-ce qu'on a là? Quoi? Il y a rien. Je dois l'activer, non? Attendez, il y a un truc que j'ai pas dû suivre là. Il y a un truc que j'ai pas dû suivre. Et là, on est de retour. Mais attendez, mais je connais. On est de retour sur la planète. On n'a jamais vraiment bougé. Waouh. Ok. Là, on l'avait déjà fait. Donc, c'est pas ça. C'est pas ça. Alors, comment on peut faire? Ah, faut aller autour. Très bien. Excusez-moi de ce petit moment d'égarement. Du côté un peu teubé. Ça ressort de temps en temps. Ok, ici on n'a rien. Oh, c'est beau ça. Regardez tout cela. Bonsoir messieurs. Tu te tais. Quelqu'un d'autre veut se taire ici? C'est bien ce que je pensais. Un des verrous à pression.
Ok. Je crois que ça s'allume. Trouvons-en un autre. Oh, regarde! Mon pote est mort vivant de retour. Je n'aime pas du tout les clics-clics qui émettent ces choses. Allez, on file maintenant. On y va, Gary. Oh, oui, c'est une bonne idée. On vous rejoint dans les catacombes. Alors, excusez-moi, on va prendre le temps de... Si j'étais programmé pour faire des cauchemars, j'y verrais souvent ces horribles squelettes. De dégager tout ça... Ah oui. Ah oui. Bah alors les gars, calmez-vous un peu. Hop, toi tu te tais. Terrible. Terrible, terrible. Il est où le bordel là? Il est là-haut, on y va. Bien sûr qu'on y va. On va essayer d'activer tout ça. Ok, c'est ici. C'est pas ça, hein. Ça, c'est pas pression, hein. Attends. Ah, si. Ah, il y a quelque chose. Écoutez, on tient un bail. Alors, par contre, on va où? Ok. Le but, s'il vous plaît. On a un but concret, là, dans la vie, ou non? Pas ouf, hein. Pas ouf, ce qui vient de se passer. Et là, qu'est-ce qu'on a là-haut, là? Bah voilà, mais c'est flingué. C'est flingué, mais on l'a fait, ça, c'est beau, ça. Ah ouais, ok. Ok, je vois le bail. Ça aurait pu aller mieux. Allez, voilà. Eh ben... Quoi? T'avais pas dit que la sortie était par là? Je crois qu'il s'agit de la salle des machines inférieures. Ce vaisseau est bizarrement adossé. Okay. C'était trop demandé à l'état. C'est les problèmes. J'ai un gros panneau sorti. Ça, c'est les problèmes. Je reconnais. Voilà, ça dégage. Ok. Oh, les gars, vous avez quel âge? Allez, hein, votre âge mental, les refs, hein. Allez, niveau supplémentaire, niveau 8. Ok, 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 ok. Bon, il était où, là, le bordel, là? Il est... Wouh! Eh, mon frérot, qu'est-ce qui se passe? Il était où, le bordel, là? Ok. Non, mais c'est déjà fait, ça. Je suis beaucoup trop chaud. Ça, c'est là où je suis mort. Ah, c'est tout là-haut. Okay. Je pense que ça va swinguer, à mon avis. On va essayer de passer directement là-haut. Ah! Ok. Qui est bleu en ce moment dans le décor. Ça les gars, par contre, c'est un petit peu chiant. Je vais pas vous mytho que l'excitation de cette roquette est quand même assez incroyable. Allez, ça dégage. Bon, et 2-3. On a réussi. Let's go. J'espère que vous n'avez pas fait vœu de non-violence, hein, Gary? Malheureusement... Ne vous en faites pas. Nous veillerons sur vous. Je suppose qu'on est censé descendre. Allez, on est parti, direction le trou! Ok... Oh, c'est beau, hein. Oh, peu cher! Allez, on n'a plus qu'à descendre dans les catacombes. Ah! Ça fait mal. Ça brûle. Ok. Je peux vous dire que ça a de la gueule, hein. On a encore quelque chose ici. C'est pas vrai, la console de cette ah est infestée de virus. Ah!
Ça, tu connais. Ah, mais c'est le dernier. Ben oui, on était à l'avant-dernier la dernière fois. Incroyable. Ok, allez, c'est parti, dernière phase. Ok. Un bordel, ça. J'ai bien senti l'importance de tout ce qui se passe, mais où aller de Jésus? Dégagez le passage! J'ai que gaspiller mes munitions sur ce bouclier! Mais ouais, non, mais j'ai bien saisi. Ah, c'était derrière! On m'a feinté dès le début? Non, quand même pas, ils ont pas osé. Oh putain, ok, je viens de comprendre. Je viens de comprendre et c'est bon d'abord. Je viens de comprendre et c'est le monde à l'envers. Aïe aïe aïe. Ça c'est fait. Ça c'est fait. Qu'est-ce que d'autre? Bah rien d'autre en fait. Ah c'est quoi ce merdier? Je suis bloqué. Alors, ça, ça va dégager très vite. Ça aussi. Ça, merde, c'est pas possible. Je sais même pas où je suis. Oh putain. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Les électrocanons sont inefficaces sur Sony. Faut changer de tactique. Ok, ça c'est fait. Quand les dimensions se sont ouvertes et nous ont permis de nous répandre, nous n'aurions jamais cru qu'elles nous mèneraient à quelqu'un comme toi. Ok. Moi? C'est toi qui nous a permis d'évoluer. Nous avons tiré de tous nos affrontements de formidables machines. J'ai rien compris, je mets des 360 noscopes là-dedans. Rien à péter, hein. Pas compris là, j'ai pas compris, j'ai désactivé quoi? Bonsoir. Bah dites donc, c'est infecté là-dedans. Qu'est-ce qu'on a là? Oh. Ok. Dégagez le passage. Ok. Non, attends. N'arriverai pas à briser ce bouclier. Oui, j'ai compris, j'ai compris. J'ai compris, c'est la merde. On a un pouvoir. Ok, qu'est-ce que c'est? Santé plus, très bien, on prend. Ok. Je ne comprends rien. Alors attends, qu'est-ce que c'est que ces conneries là? Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Okay. Ça c'est fait. On commence à y arriver, on commence à y arriver. Très bien. Ah, ok. Les nids sont coriaces. Les infecteurs éclairs seraient sûrement plus efficaces. Très très bien. Ensuite, terrible là ce qui se passe. Oh, quoi? Oh, c'est close. C'est close. Ok, faut que j'aille là-haut. Alors attends. Laissez-moi comprendre quelque chose. Ok, c'est bon. Quoi? Je me suis fait arnaquer? Oh là là, c'est terrible, je me suis fait arnaquer! Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Sean Connery. Je comprends pas. Qu'est-ce que je peux faire? Vraiment pas compris là, hein. Mais on le cherche, cousine, on le cherche. Oh, ça me saoule, ça. Qu'est-ce qui se passe, mon Jésus? Mais qu'est-ce que je branle? Ok. Ah, c'est un enfer, hein. Alors, attendez. Oh, putain.
Oh là là. Oh là. C'est bon, allez, c'est fait, c'est fourré. Ça dégage. Voilà. Allez. Ah, je suis désolé, hein. Je suis désolé, hein. C'est terrible, hein. Terrible pour vous comme pour moi, hein. Bon, on se casse. Direction l'autre bout du monde. Donc, je suis totalement perdu. C'est bon, c'est ouvert. Allez, salut les potes. Ça va ou quoi? Voilà. Mon maître virus. Oh. La vie ne plaît pas. Je me fiche de ce que tu racontes. Je vais te supprimer sur le champ. Attends, on va supprimer personne, cousine, là. Ça ne durera pas. Hors de nous, tu vas finir par te réutiliser. C'est inutile comme ça. Et clairement, ce n'est pas. Oh, en as. Ok, bah je suis mort. Allez, allez, ça met trop de temps à se recharger. Ok. Attends, calme-toi l'esprit shonen, hein. Pas le moment pour ces conneries là, hein. Merci, un peu de vie pour les braves. Quoi d'autre? What else? Comme dirait un grand homme. Voilà. Je suppose que c'est de l'autre côté. C'est là. Allez, let's go. Ok. Allez, c'est terminado. Let's go. À descendre dans les catacombes. Allez, un boulon, ça, c'est fait. Il est temps de s'arrêter là. N'oubliez pas le j'aime et le commentaire. Portez-vous bien et à la prochaine pour de nouvelles aventures. Bisous tout le monde. Ciao, ciao.